Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse blic.fr. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui a pour titre Israël-Iran. Que se passe-t-il au Moyen-Orient Il est ainsi chapeauté. Alors que la confrontation entre Israël et l'Iran prend un tour plus direct, au risque d'une guerre ouverte, le 1 Hebdo fait le point sur l'état des forces en présence au Moyen-Orient et des positions des deux antagonistes et de leur soutien. Dans un grand entretien, Agnès Levallois, spécialiste du monde arabe, analyse en quoi les récentes attaques entre Israël et l'Iran Marque l'entrée dans une nouvelle phase du conflit au Moyen-Orient. Dans notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous mettrons en ligne mercredi le deuxième épisode de notre conversation avec Alexandre Lacroix, à l'occasion de la parution chez alary Édition de son livre La Danse, philosophie du corps en mouvement. Alexandre Lacroix a passé plusieurs mois avec les danseurs du ballet de l'Opéra National de Paris. Il en a tiré un portrait vivant d'une danseuse étoile, Luminia Pagliero arrivé en Argentine et une réflexion sur ce que Valérie appelait l'ornement de la durée. Pas d'enregistrement public en mai, le théâtre de l'école alsacienne retentit traditionnellement à cette époque de l'année des concerts et des représentations théâtrales données par les élèves. Notre prochain enregistrement public aura donc lieu en juin, le dimanche 23, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Tous nos enregistrements font l'objet d'un compte-rendu analytique, le compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement et qui arrivera dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous maintenant au premier des deux sujets que nous avons retenus pour notre conversation, la relation des Français à l'Union européenne. Les sondages effectués par la Commission ou par le Parlement européen auprès des citoyens d'Europe montrent un intérêt réel des Français pour l'Europe. Intérêt conforté par une participation en nette hausse des Français aux dernières élections européennes de 2019, 50,12%, contre 40,6% en 2009 et 42,4% en 2014. D'après l'Eurobaromètre de la Commission européenne de février-mars 2021, 57% des Français se déclarent attachés à l'Union européenne, soit une hausse de 4 points par rapport à l'été 2020. De plus, selon l'Eurobaromètre du Parlement européen du printemps 2021, la grande majorité des Français estiment que la voix de la France compte à l'intérieur de l'Union européenne. Ils sont 75% à le penser. L'étude de la Fondation Jean Jaurès et du CEVIPOF en partenariat avec Ipsos et Le Monde, étude baptisée Fracture française et publiée en octobre 2022, montre que le niveau de confiance en institutions européennes varie en fonction de l'affiliation politique de la personne interrogée et de sa catégorie socioprofessionnelle. Sans surprise, les sympathisants des partis ayant un discours et un programme pro-européen sont les plus enclins à se dire confiants en l'Union européenne. Ceux du Parti socialiste, 68%, d'Europe écologie les Verts, 73%, de la République en marche, devenue depuis Renaissance, 87%, figurent en tête. L'étude met en exergue une différence de perception en fonction de la catégorie socioprofessionnelle d'appartenance. Les ouvriers se disent beaucoup moins confiants en l'Union européenne, 36%, que les cadres, 63%. Et les professions intermédiaires, les employés et les retraités se situent à un niveau comparable à celui de la population générale. En mars 2023, 71% des Français se sont déclarés en faveur de l'euro, 71% dans l'ensemble de l'Union. 69% en faveur d'une politique de défense et de sécurité commune, 77% dans l'ensemble de l'Union. 64% déclaraient être satisfaits de la réponse apportée par l'Union européenne en soutien à l'Ukraine, 69% dans l'ensemble de l'Union. Et 64% pensent que les actions de l'Union européenne ont un impact sur leur vie quotidienne, 71% dans l'ensemble de l'Union. En revanche, 54% des Français ne sont pas satisfaits de la manière dont l'Union a géré les enjeux de migration et d'asile. Alors, 50% dans l'ensemble de l'Union. 50% ne sont pas satisfaits du Green Deal. 43% dans l'ensemble de l'Union. Et pour l'instant, l'intérêt déclaré des citoyens pour les élections européennes est faible en France. 40% sont intéressés contre 56% dans l'ensemble de l'Union, niveau équivalent à celui de la Bulgarie et très éloigné de celui de l'Allemagne qui s'établit à 65%. Selon la dernière enquête Eurobaromètre publiée le 17 avril, 52% des Français interrogés se disent pessimistes sur l'avenir de cette Union que leur pays a œuvré à forger. Jeudi, à un mois et demi des élections européennes, Emmanuel Macron a prononcé à Paris un nouveau et... Long discours sur l'Europe. Sur cette question, Nicole Niesoto. Alors, l'histoire des Français, la relation des Français avec l'Union européenne est... ressemble à une série de paradoxes. Euh, le premier paradoxe, je crois, le plus important, c'est qu'on a une très grande constance dans les politiques gouvernementales en faveur de l'Union européenne, de son renforcement euh, une très grande ambition euh, politique des élites pour l'Union européenne, et euh, du côté de la rue, si je puis dire, euh, une certaine versatilité. Ça, c'est le premier paradoxe. Nous sommes le pays le plus ambitieux pour l'Europe et nous sommes euh, peuplés de Français de plus en plus eurosceptiques sur euh, l'avenir de l'Union européenne. Alors, on peut reprendre un peu historiquement les choses. Pendant toute la guerre froide, et, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, du côté gouvernemental, on a porté l'Europe. Tous les projets européens sont nés. D'une idée européenne, y compris la naissance même de la construction européenne dans les années, enfin en 1950 par Schuman et Monet. Toutes les avancées historiques que l'on a proposées sont soit d'origine française, soit d'origine franco-allemande. Et tous les présidents de la République, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont affiché, avec des nuances bien sûr, mais une même ambition, en particulier pour ce qu'on appelle en France l'Europe politique et ce qui s'appelle aujourd'hui l'Europe puissance. Et le dernier exemple en date de cette ambition pour l'Europe, c'est effectivement le discours du président de la République Emmanuel Macron le 25 avril dernier où euh, il a vraiment affiché une programmation globale mondiale très très ambitieuse pour l'Union les Français ont soutenu cette euh, ambition pratiquement dans tout, durant toute la guerre froide euh, en gros jusqu'à la chute de l'Union soviétique alors pas toujours avec enthousiasme, mais en grosso modo, ça ne posait aucun problème et il ne serait venu à l'idée de personne d'ailleurs de faire un référendum des Français sur l'Union européenne. Ça change effectivement avec la, la, le, le changement du monde. À partir de la chute de l'Union soviétique et de la perspective d'élargissement, le scepticisme français prend racine commence et depuis ce moment-là ne fait euh, que se développer. On a eu euh, en euh, 1992, donc la, le lendemain presque de la, euh, la réunification allemande, deux ans après la réunification allemande, le vote de Maastricht est passé à à 50 euh, à 51 euh, et euh, un peu plus tard en 2005, pour le, le, ce qu'on a appelé la Constitution européenne, ce qui deviendra le traité de, de Lisbonne, pardon, eh bien, le nom au référendum l'a emporté avec 55% des voix. Et donc on voit bien que cette autre Europe, cette grande Europe à 27, euh, ne suscite plus chez les Français l'enthousiasme que suscitait la petite Europe des 6, des 12, euh, etc. Et depuis, depuis ce. Référendum négatif de 2005. D'abord, on ne fait plus de référendum en France ni ailleurs, sauf quand c'est obligatoire euh, sur l'Union européenne, parce que c'est entre guillemets trop dangereux, comme disent les spécialistes. Et depuis, l'euroscepticisme global des Français a euh, grimpé. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le, le dernier sondage eurobaromètre, vraiment la semaine dernière, qui montre qu'on est à la fois les plus indifférents, les plus pessimistes et ceux qui ont la plus mauvaise image de l'Union européenne. C'est quand même extraordinaire de la part d'un pays qui, au contraire, affiche une ambition que certains peuvent juger même délirante pour l'Union européenne. Alors, je ne vais pas euh, vous, euh, vous accabler de chiffres, mais quand même, euh, on, 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 on casse le consensus européen sur beaucoup de choses. Euh, en particulier sur la question, êtes-vous optimiste sur l'avenir de l'Union européenne La moyenne européenne, c'est 61% des Européens sont optimistes. Les Français sont pessimistes en majorité avec 52% de pessimisme. Donc ça, c'est le point fondamental. Un deuxième point, si je puis me permettre. Euh, euh Philippe, c'est que le clivage essentiel dans cet euroscepticisme français, ça n'est pas un clivage entre la droite et la gauche, c'est devenu maintenant un clivage entre l'extrême droite et le reste. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau dans l'évolution politique française. Droite et gauche traditionnelles se partagent plus ou moins les faveurs, en tout cas votent en faveur de l'Union européenne. L'extrême droite s'en distingue très particulièrement. Richard Verly. D'abord un mot pour revenir sur ce discours d'Emmanuel Macron, dont euh, nous avons tous euh, été surpris, je pense, par la longueur. Euh, quoique, euh, il a l'habitude de parler longtemps, mais là, il a parlé près de deux heures, et d'une manière extrêmement théorique, brillante, comme toujours. Mais pourquoi je fais référence à ce discours, c'est que, bien évidemment, la relation entre les Français et l'Europe, dans un système comme celui qu'on connaît euh, en France, elle passe par aussi la vision du président. On se souvient qu'on a attribué euh, l'échec du vote sur le projet de constitution européenne au peu d'allants. De Jacques Chirac qui avait pris ses distances avec ce texte et qui peut-être ne s'était pas assez investi. Voilà, donc, autrement dit, la personnalité d'Emmanuel Macron est un premier élément si l'on veut regarder le baromètre, disons, si l'on veut prendre la température entre les Français et l'Europe. Et c'est par ça que je voudrais commencer, parce qu'à mon avis, il y a trois équations aujourd'hui pour comprendre la relation entre les Français et l'Europe, sous-entendu l'Union européenne, évidemment, et la construction européenne telle qu'on la connaît. La première équation, c'est l'équation Macron. C'est l'équation euh, qui prévaut depuis 2017, c'est-à-dire un président résolument pro-européen qui veut être le président des idées permanentes, qui veut être le président de l'avant-garde européenne. Ce qui a un résultat, un premier résultat, c'est qu'il a embarqué derrière lui une partie de l'opinion, mais qu'il en a aussi lâché une autre. Parce qu'il y a toute une partie de l'opinion qui ne se reconnaît pas dans l'Europe et à la Macron. Et ça, je crois que c'est un élément important. Ce président, sur le sujet européen comme sur d'autres, n'est pas un président fédérateur. Et il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui, une bonne partie des Français, voire la majorité, sont eurosceptiques. C'est aussi parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'Europe que leur propose celui qui dirige le pays. Deuxième équation, à mon avis, c'est une équation sur l'Europe française. Les Français aimaient l'Europe, Nicole parce qu'elle ressemblait à la France ou parce qu'ils avaient la conviction que la France avait réussi à l'imprégner, et que donc ils étaient l'Europe en quelque sorte. La réalité d'aujourd'hui, c'est que ce n'est plus le cas. L'Europe, elle est européenne et elle est européenne et de moins en moins française. Les deux vont ensemble. Et la question que je pose à travers ça, c'est est-ce qu'on peut euh, s'attendre à autre chose que du désamour dans un pays qui, après avoir tant œuvré à la construction européenne, se retrouve maintenant un passager comme les autres, même si, encore une fois, Emmanuel Macron fait tout pour qu'il continue de voyager en première classe. Et dernière équation, pour moi, c'est l'équation générationnelle, et à mon sens, c'est la plus prometteuse. C'est-à-dire que ces photographies de l'opinion, elles évoluent, et je pense qu'il y a, alors, les jeunes générations sont fracturées en France à propos de l'Europe comme elles le sont dans d'autres pays, mais on peut quand même penser, quand on voit ce qui se passe autour de la candidature d'un Raphaël Glucksmann aujourd'hui aux élections européennes qui auront lieu le 9 juin, on peut penser qu'il y a une, une espèce de nécessité européenne qui s'est installée dans une bonne partie des jeunes générations. Et au fond, pour répondre à cette première présentation, je dirais que euh, c'est dans les jeunes que réside la principale équation du rapport des Français à l'Europe, et je la trouve plutôt prometteuse, même si on sait que beaucoup de jeunes votent pour le Rassemblement national. Je crois qu'une manière générale, particulièrement en ce moment, il faut se méfier des sondages qui sont, qui ont pour question euh, qu'est-ce que vous pensez d'eux, comment vous sentez-vous, etc. Il semble bien que nos compatriotes soient enclins, particulièrement en ce moment, à dire que absolument rien ne va. C'est pour ça que j'ai préféré donner au début les chiffres des votants aux élections européennes qui, jusqu'aux dernières élections, ont été en augmentation, ce qui traduit un, un minimum d'intérêt, en tout cas pour l'Europe. Nicolas Bavrez. Bon, je crois qu'on a très bien décrit effectivement ce basculement de la relation des Français à l'Europe au fil du temps, avec d'abord euh, vraiment un pays qui a été tout à fait moteur, le général de Gaulle qui a accéléré la construction européenne parce que c'était pour lui un, mo un moteur dans la modernisation du pays, et puis tout ceci s'est progressivement distendu, et puis il y a effectivement une bascule qui s'est faite en 2005 euh, autour de, du référendum qui a rejeté le, le projet de constitution. Aujourd'hui, on est à un moment qui est tout à fait singulier sur ce, ce grand... Cette grande évolution. Euh, D'abord, euh, c'est singulier pour la France, c'est un moment où le pays est vraiment en train de, de décrocher et où maintenant les partenaires européens l'ont compris, le voient et en tirent des conséquences. Et le deuxième tournant, c'est bien sûr l'Europe, qui a donc été construite sur le droit et sur l'économie et le marché, et qui doit aujourd'hui affronter des chocs qu'elle n'était pas du tout préparée à, 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 à devoir... Euh, <coughs> Auquel elle n'est pas, pas du tout préparée à devoir faire face. On a eu la Covid, on a maintenant le, la guerre d'Ukraine, et puis une économie qui est à l'arrêt. Face au dumping chinois, euh, au renouveau industriel des États-Unis, et puis à la poussée des, des émergents. Et c'est dans ce contexte qu'intervient euh, cette, euh, cette élection. Avec euh, euh, un degré aussi de important qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est la dixième élection euh, donc au, au, au Parlement depuis 1979. Et les Français n'ont jamais rien compris au Parlement européen. D'abord, ils sous-estiment beaucoup son importance, euh, parce qu'ils pensent que tout se décide évidemment au Conseil. Or, il y a ce qu'on appelle le trilogue, et maintenant le Parlement a un rôle qui est beaucoup plus important. Et ensuite, les Français sont très éclatés et euh, en fait ne comptent plus euh, dans les. Euh, J'allais dire, dans, dans le processus, le cœur du processus de co-décision, les Français, en réalité, se sont laissés marginaliser. Et ce sera encore plus vrai si on doit avoir euh, une représentation avec, euh, en fait, euh, euh, un, un centre droit et un centre gauche qui sont, qui sont peu représentés. Alors, voilà le, le tableau. Qu'est-ce qu'on note sur l'état de, de l'opinion Je pense qu'on note effectivement un, un vote qui est dominé par euh, la colère et le désengagement. Dans une démocratie, les deux grands périls, c'est euh, extrémisme et désengagement. Or, aujourd'hui, l'abstention est donnée à 55% quand même. Et donc, l'ERN est à 31-32% et assez solide. Et avec une triple percée, une percée sociologique. Le RN est maintenant dans toutes les classes sociales, y compris les cadres, y compris les personnes âgées, euh, où, où il devient dominant. Une percée, évidemment, politique sur les thèmes euh, pouvoir d'achat, immigration. Et puis euh, une percée aussi européenne parce qu'il y a derrière un mouvement assez impressionnant de pousser des extrêmes droites puisqu'on a euh, entre guillemets un, un bloc populiste euh, RN et puis AfD et les Autrichiens et puis un, un, un bloc post-populiste avec euh, les Italiens de Madame Meloni, euh, Orban et puis euh, et puis les, les Espagnols de, de de Vox. Donc voilà le, le tableau. Et de l'autre côté, il y a une démobilisation dans le camp du président de la République qui profite à Raphaël Glucksmann. Et c'est vrai que... Donc, c'est là où cette élection est très particulière. Pourquoi Parce qu'elle est à moitié européenne, et à moitié française. Sur la partie européenne, il est clair que le message qui est envoyé est un message de dernier avertissement. Sur la partie française, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on sait tous que les élections européennes ne font pas l'élection présidentielle. Mais là, les Français sont vraiment en train d'envoyer un ultime avertissement à la classe politique pour dire, si vous continuez, la prochaine fois, il n'y aura plus de barrage, et donc la prochaine fois l'extrême droite nous nous, nous mettrons l'extrême le, droite euh, au pouvoir et c'est vrai que en face de ça pour l'instant donc on a cette petite embellie euh, sur la social-démocratie avec euh, raphaël glucksmann mais les, les facteurs d'inquiétude euh, dominent quand même et je ne crois pas du tout que le, le discours du président de la république soit de nature euh, à y répondre parce que c'est vraiment un discours qui est dans la continuité de ses précédentes interventions, c'est-à-dire un discours qui est totalement déconnecté du réel, où il explique par exemple que ce qui a été fait en matière de Green Deal ou d'immigration est un grand succès. Or, personne ne, ne, personne ne peut y croire, parce que tout simplement, ça n'a aucun rapport avec la, la réalité. De même qu'on a beaucoup progressé en matière de défense. Sans les États-Unis, on a les démonstrations que sans les États-Unis, l'Ukraine tombe euh, euh, instantanément. Et à l'inverse, l'espèce de, de, de déclaration d'intention expliquant que par un coup de baguette magique, l'Europe va devenir le leader mondial en 2030 de l'intelligence artificielle, des nouvelles énergies, de l'espace, des biotechnologies, du quantique, personne ne peut, euh, ne peut y croire. Donc, je crois que le, dans ce tableau... La vraie lueur d'espoir, elle est venue des deux discours de Mario Draghi, celui qui a été fait aux États-Unis, surtout celui de la Hulpe, et qu'aujourd'hui, le seul homme d'État qui a sans doute à la fois la vision et peut-être la capacité de remettre l'Union en marche, c'est Mario Draghi. François Bujon de l'État. Oui, alors euh, effectivement, on peut être frappé, je crois que nous le sommes tous, par le fait que nous sommes au milieu d'une campagne électorale européenne, puisqu'il s'agit de renouveler les membres du Parlement européen par un scrutin qui est quand même un scrutin au suffrage universel, un scrutin de liste à un seul tout, un mode de scrutin très lisible, je veux dire. Et que, alors que nous sommes à peine à six semaines finalement de l'échéance, qui est le 9 juin, euh, on parle de tout sauf d'Europe dans cette campagne. Et les considérations très intéressantes que vient de nous livrer Nicolas en sont l'illustration même. En France, on se préoccupe de quoi D'abord, les sondages disent que le sujet numéro un qui préoccupe les Français, c'est le pouvoir d'achat. Le rapport avec l'Europe existe, bien entendu, mais enfin, il n'est pas immédiatement évident. Et puis, deuxièmement, on voit bien que dans les conversations, dans les propos euh, autour de la campagne, ce qui intéresse les gens, c'est le positionnement relatif de chacune des listes, c'est le RN à 30%, c'est Jordan Bardella, euh, c'est la montée de Raphaël Glucksmann au détriment de la majorité présidentielle et aussi de LR. Ce sont des sujets de pure politique politicienne française hexagonale qui occupent l'essentiel du, du terrain. Alors le plus grave, c'est que c'est la même chose chez nos voisins, semble-t-il. Que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne, tout ce que j'entends ressemble beaucoup à ce qui se passe chez nous. Donc c'est quand même un, un, un très, très curieux phénomène. Les enjeux, en réalité, de cette élection européenne sont des enjeux pour l'instant strictement nationaux. En France, avec évidemment 2027 comme horizon lointain. Et il ne reste qu'un mois et demi seulement. Alors bien sûr... Monsieur Macron en est bien conscient, et c'est probablement la raison pour laquelle il s'est exprimé de façon si solennelle, sur l'Europe, le, le, le jeudi 25. Euh, il a prononcé un discours qu'on va baptiser pour l'histoire la Sorbonne 2, puisqu'il y avait eu la Sorbonne 1 il y a cinq ans. C'était un peu moins long, mais c'était également très, très normatif. Euh, mais le, le discours de M. Macron est un discours conceptuel sur l'Europe. Il expose une certaine vision. Il expose euh, des idées sur ce que pourraient être quelques, quelques enjeux européens, mais euh, par rapport à ce qui s'était passé il y a cinq ans, il faut bien reconnaître que le contexte géopolitique a complètement changé et que le lustre aussi de M. Macron et de la parole de M. Macron n'est pas le même qu'il y a cinq ans. Euh, les convictions de Macron sont fortes, tout le monde le sait, et s'il y a un point sur lequel il n'a pas vacillé depuis son entrée en scène, c'est bien celui de l'Europe, mais euh, son audience, par contre, est, est déclinante, et son influence est déclinante. Alors de toute façon, la question qui se pose, c'est donc de savoir si, si ce, ce propos présidentiel va avoir un effet d'électrochoc sur la campagne électorale. Ça me paraît douteux qu'il ait un effet d'électrochoc, mais il va avoir un effet, va-t-il réussir au moins à amener quelques enjeux européens dans le centre du débat Or, euh, tous les sondages que Philippe nous a détaillés au début de cette conversation euh, sont finalement... Très intéressant, mais ils donnent tous une impression très opaque et très confuse de ce qu'est vraiment l'état d'esprit des Français. Les Français ne ne, ne ne reculent pas devant quelques incohérences de temps en temps. On le dit, 57% des Français sont très attachés à l'Union européenne, paraît-il. En même temps, on dit vous en avez 55%, c'est un exemple que je donne, qui disent qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur l'Europe et qui ne comprennent. Bon, alors c'est merveilleux d'être très attaché à quelque chose qu'on ne connaît pas et sur lequel on est mal informé, mais c'est typique de l'attitude des Français qui, au fond, Nicole l'a rappelé, euh, ont beaucoup changé d'opinion au fil des années, qui ont commencé par aimer l'Europe parce que Robert Schuman, Jean Monnet, c'était une création française et que la France était au cœur du débat, mais depuis la fin de la guerre froide, la réunification allemande, euh, l'élargissement à 27 et bientôt sans doute à 35, il y a un très fort sentiment de dilution dont les Français souffrent et qui fait qu'ils attachent moins d'importance aux enjeux européens qu'aux enjeux qui sont sur le pas de leur porte. Nicole. Yes oui, d'abord, deux, deux, deux petits commentaires sur l'augmentation de la participation aux élections européennes. C'est vrai depuis les dernières élections européennes, parce que depuis, en revanche, depuis la première élection au suffrage universel avec l'élection de Simone Veil jusqu'en 2014, y compris l'élection de 2014, la participation n'a cessé de baisser. Elle est Augmenté pour les élections de 2019, ça a été l'heureuse surprise. Le vote en faveur des jeunes et le vote les verts. La question qui se pose aujourd'hui c'est est-ce que justement le, 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 le syndrome vert va maintenir une participation importante Alors là, les arguments sont partagés parce que une partie de l'électorat a pris conscience du coût social des mesures pourtant qu'il souhaite pourtant en matière de lutte contre le réchauffement climatique et on peut en déduire que le vote vert va relâcher relativement baissé aux prochaines élections, ce qui pourrait diminuer la participation. Deuxième, sauf s'il fait une canicule le 9 juin, à ce moment-là, on peut être sûr que le vote vert sera important. Deuxièmement, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Richard Verli, sur l'image que les Français se faisaient de l'Europe qui était en fait une France en grand. Ça, je crois que c'est très juste. Euh, les Français ont aimé l'Europe parce que c'était un multiplicateur de la puissance française d'une part, et parce que l'Europe qu'ils qu aimaient était une Europe qui assurait la prospérité. Tout ceci a changé sur les, les années 2000. Depuis le début du 21e siècle, l'Europe n'assure plus une telle prospérité, en tout cas pas pour tout le monde. Et euh, la France n'est plus euh, le moteur ou le leader avec l'Allemagne de la construction européenne. Et donc il y a une espèce de dépit, de désintérêt ou de scepticisme sur cette Europe qu'on ne, qu ne maîtrise plus. Mais, mais, et c'est là où je maintiens quand même que l'opinion reste très paradoxale. Les Européens ont ovationné l'Union européenne avec le Covid et les Français autant que les autres. C'est-à-dire le fait que l'Union européenne soit capable d'aider avec 750 milliards pour que les restaurateurs, les petits artisans continuent de gagner leur vie. Je crois que ça a été un choc positif pour l'image de l'Europe dans ce pays. Et euh, le, le pareil pour le soutien à l'Ukraine, même si les Français sont les, les derniers de la classe, mettent les larges. Avec 2 de priorité pour l'avenir de l'Union européenne, je crois que là aussi il y a une adhésion positive à l'égard de l'Union. Donc le, le, le paysage, il reste extrêmement contradictoire. Richard Verley. Oui, je me demande s'il n'y a pas en France plus que dans les autres pays de l'Union européenne, prenons les grands pays notamment, un besoin de personnalisation et d'incarnation pour arriver à aimer l'Europe. Au fond, est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, euh, je dirais, un désamour lié à la disparition de ce que j'appellerais le triangle d'or DAA, Delors, Airbus, Ariane C'est-à-dire que euh, quand on avait Jacques Delors, on avait quelqu'un auquel on pouvait s'associer, euh, et il a même failli, vous le savez bien, être candidat à la présidence de la République. Airbus, tout le monde en parle ici comme une réussite française, alors que c'est une réussite européenne. Et Ariane Espace, c'est aussi le génie français. Et donc peut-être, et c'est là où Emmanuel Macron marque des points, c'est que le réamour, si je puis dire, le nouvel amour des Français pour l'Europe, passera par des personnalités ou par des réussites que l'opinion pourra associer à la fois à la France et à l'Europe. Nicolas Baverez. Il y a assurément, oui, un déficit de, de leadership et d'incarnation. Je crois que, surtout dans ce, ce nouveau monde, en fait, ce qu'on attendait du président de la République, et, et là où il n'a pas répondu, euh, c'est qu'on a cette espèce d'énorme écart entre les attentes des Français vis-à-vis -vis de l'Europe et, euh, et puis la réalité. Et finalement, les deux questions fondamentales auxquelles il aurait fallu répondre, c'est euh, euh, qu'est-ce que. La France a aujourd'hui comme stratégie en Europe et en quoi l'Europe sert la reconstruction d'une puissance française. Ça, De Gaulle avait réussi à le faire dans les années 60, et c'est la première question. Et là, on n'a pas de réponse. La deuxième réponse, c'est qu'il a présenté comme beaucoup, beaucoup, et il a commencé en disant euh, l'avenir de la France, c'est l'avenir de l'Europe. Ça, c'est un postulat, mais c'est pas du tout démontré. C'est pas du tout euh, évident. Et donc, euh, ce qu'on attendait, c'est qu'il démontre en quoi, euh, effectivement, l'Europe, en quoi est-ce qu'il y a une valeur ajoutée. Et là, il y a des doutes, parce que c'est vrai que euh, pour l'instant, l'Europe, elle a quand même détruit en quelques années, elle a détruit tout ce qu'elle a touché. Elle a détruit l'agriculture, elle a détruit les télécoms, elle a détruit l'énergie. Euh, et, et, et ça, ça a des incidences réelles sur la vie des gens. Euh, et et, et c'est donc, à mon avis, c'est deux questions concrètes auxquelles il fallait répondre. François Bijon de l'État. Non, moi, je voulais juste dire en deux secondes que je le sentiment de dilution est très, très, forte et, et très fort. Et le fait que l'Allemagne ait évidemment beaucoup augmenté sa, sa puissance et son poids dans l'Europe euh, pèse également beaucoup. On est 27 et bientôt, nous allons avoir de nouveaux problèmes d'élargissement avec les Balkans orientaux. Nous serons très vite 35. Il y a ce sentiment chez les Français que nous pesons moins en soi et puis ensuite, nous pesons beaucoup moins dans l'Europe. Alors, il n'y a plus de grandes figures européenne qui soit vraiment française, mais par contre il y a, et ça c'est en écho à ce que Nicolas vient de dire, il y a des clichés qui ont la vie très très dure dans l'opinion française. L'idée que l'Europe est néolibérale et qu'elle est antisociale, ce sont des clichés, ils sont entièrement discutables, mais ils sont solidement ancrés dans l'inconscient français. Je vous remercie. Je voudrais signaler euh, en marge un peu de cette conversation sur l'Europe un article de Telos, la revue. Euh, mmh. euh, Électronique euh, sur euh, Madame Mélanie et l'Europe. Ces euh, positions européennes ont surpris beaucoup et il y a là un article qui va au fond de l'analyse des positions et des, surtout des, des actes euh, de, euh, du gouvernement Mélanie. Passons maintenant au déblocage des milliards américains pour l'Ukraine, euh, puisqu'après de longues et difficiles tractations, le 20 avril, la Chambre des représentants, dans un vote bipartisan, a adopté par 310 voix pour, 310 voix dont 101 républicaines, 310 voix contre 112. Un grand plan d'aide à l'Ukraine, Israël et Taïwan. L'enveloppe de 95 milliards de dollars, dont 61 milliards pour l'Ukraine, était réclamée depuis des mois par le président Joe Biden. Quelques minutes après le vote, le président ukrainien a estimé que l'aide américaine, je cite, sauvera des milliers et des milliers de vies. Le président Joe Biden a lui salué l'aide cruciale à Israël. Et à l'Ukraine comme étant au rendez-vous de l'histoire. Le Kremlin a dénoncé l'aide américaine qui tuera encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev. Le Congrès américain n'avait pas adopté de grande enveloppe pour son allié depuis décembre 2022, principalement en raison de querelles partisanes. Le plan d'aide à l'Ukraine inclut 14 milliards de dollars pour les systèmes de défense américains 13 milliards de dollars pour reconstituer aux États-Unis les stocks d'armes déjà donnés à l'Ukraine. 7 milliards pour les opérations militaires américaines dans la région et 9,5 milliards de dollars d'aide économique. Il autorise le président Biden à confisquer et à vendre des actifs russes pour qu'ils servent à financer la reconstruction de l'Ukraine, idée qui fait également son chemin auprès d'autres pays du G7. Après des mois de tergiversation, le chef républicain de la Chambre, Mark Johnson, a fini par apporter son soutien sous les huées d'élus trompistes hostiles à une telle aide. Pour le dire franchement, je préfère envoyer des munitions à l'Ukraine qu'envoyer nos garçons se battre, a-t-il plaidé. Deux jours avant le vote, le directeur de la CIA, Bill Burns, avait déclaré, sans aide supplémentaire, le risque est réel que les Ukrainiens perdent sur le champ de bataille d'ici à la fin 2024. Depuis le début de l'année, le tarissement des crédits américains, l'armée ukrainienne s'est retrouvée de plus en plus en difficulté. Les forces russes grignotaient mois après mois du terrain. L'Europe ne parvenait pas à compenser les obus et les missiles manquants à l'Ukraine. Le 7 avril, le président Zelensky a pour la première fois affirmé que son pays perdrait la guerre si l'aide promise par les États-Unis restait bloquée au Congrès, expliquant que ses troupes pouvaient tirer un obus quand les Russes en envoyaient dix. Même tardif, le vote américain était salué en Europe. La ministre des Affaires étrangères allemande, Anna-Lena a évoqué un jour d'optimisme, son homologue italien parle d'un tournant décisif, le président du Conseil européen Charles Michel s'est quant à lui réjoui que ce message, de ce message clair envoyé au Kremlin, mieux vaut tard que trop tard, a commenté le premier ministre polonais Donald Tusk. Le retard de Washington pour débloquer cette aide a permis à la Russie de reprendre l'initiative sur le terrain. Mardi, le projet de loi voté par la Chambre des représentants, a été adopté par le Sénat américain par 79 voix pour et 18 contre sur cette question. François Bujon de Léton Alors, euh, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un événement majeur. On va voir pourquoi il est à divertir cet événement, mais il est tout à fait majeur. Parce qu'on vivait dans le suspense et dans l'incertitude depuis plus de six mois, et parce que cette incertitude pesait beaucoup sur le, le standing, je dirais, sur la capacité de résistance de l'Ukraine dans une guerre qui est longue, qui est une guerre de position, qui est une guerre d'attrition, et qui est tout à fait épuisante. Mais on voyait bien que depuis que tout ceci est en panne euh, au Congrès des États-Unis, il y a une espèce de spirale négative qui entraînait l'Ukraine. Euh, ils n'ont pas réussi euh, quoi que ce soit de décisif pendant la soi-disant offensive de l'été. Euh, ils perdent quelques positions à cause d'un grignotage russe constant sur le terrain. Euh, ils n'ont pas de stock de munitions, ils s'en plaignent. Ils n'ont pas non plus les armes qui permettraient de frapper en profondeur et de gêner vraiment euh, l'armée russe. Et tout ceci a un impact moral qui est très très fort avec le sentiment qui s'était développé en Ukraine ces derniers temps, qu'il y avait deux poids et deux mesures pour l'allié américain. Euh, on aide Israël, bien sûr, et on, on aide... On supplée au dôme de fer contre les drones iraniens au-dessus d'Israël, mais on ne fait rien de tel au-dessus de l'Ukraine. Et les Ukrainiens doivent se débrouiller tout seuls avec des alliés européens qui ne se sont pas dérobés, qui continuent à les aider, mais qui pèsent moins lourd, bien entendu, que, que l'aide américaine. Donc euh, c'est un événement tout à fait majeur. Mais ce que je voudrais dire, c'est quand même, à mes yeux, très important c'est que ce n'est pas un tournant dans la guerre. Ça va permettre, au contraire, de continuer. Guerre, de continuer sur une ligne qui est plutôt une ligne droite. Ça permet à l'Ukraine de retrouver du souffle, de retrouver des armes, de retrouver des stocks et de tenir dans cette épreuve de, 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 de distance et de temps dans Une guerre qui est très très longue, donc c'est pas un tournant dans la guerre, c'est une, une reprise si vous voulez. C'est un, un second souffle que les Ukrainiens vont trouver, mais par contre, c'est peut-être un tournant dans la politique américaine. Et là, je voudrais qu'on s'y apesantisse un petit peu. Euh, Philippe nous a dit les chiffres du, du vote euh, qui a eu lieu donc le, le, 20, le 20 avril euh, 310 voix contre 112. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que il y avait dans ce vote, bien entendu, tous les votes démocrates, mais il y avait 102 voix républicaines, alors qu'il y en a 112 autres qui ont voté contre l'aide. Donc vous avez un effet très important. Le Parti républicain s'est scindé en deux parties, presque égales. Et alors que, bien entendu, tous les Trumpistes bontins et tous les petits soldats de MAGA, comme on dit là-bas, Make America Great Again, continuent à voter contre un engagement militaire américain à l'extérieur, mais vous en avez quand même euh, 101 qui ont retrouvé des accents réganiens pour intervenir aux côtés des démocrates parce qu'ils pensent que l'Occident est menacé en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça prouve que M. Trump perd probablement de son audience au sein même du Parti républicain. Et ça, je trouve, c'est très important. Rappelez-vous en outre que le speaker de la chambre, qui s'appelle Mike Johnson, est un inconnu qui sort de Louisiane. C'est son premier mandat de sénateur. Euh, il était présenté comme un bon petit soldat du Trumpisme. Et voilà que d'un seul coup, c'est lui qui décidé, en s'étant informé, en ayant écouté la CIA, en ayant lu les rapports, il est arrivé à la conclusion, ça doit être un honnête homme, qu'il euh, euh, que y a un enjeu vraiment très très fort et que l'Ukraine risquait de perdre. Alors il a très bien compris, il a très bien compris que si c'était le cas et si l'Ukraine perdait, la première victime en serait bien entendu M. Trump et en serait le Parti républicain. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'il a, déc a décidé tout seul, peut-être, mais il a voulu accueillir l'assentiment de Trump. Il s'est précipité à Mar-a-Lago, il est allé expliquer tout ça à Trump qui a pour l'instant la tête pleine de ses ennuis judiciaires et de l'obligation de se trouver dans un prétoire à New York. Quotidiennement au lieu de faire campagne. Mais il a obtenu une espèce de nihil obstate de M. Trump et il a pris sur lui, par conséquent, de, euh, de faire ce vote et d'en prendre la responsabilité. Ça, c'est un tournant, peut-être, et peut-être que le vent tourne légèrement à Washington. Richard Verley. Pour rebondir sur ce que disait François, le poids des images en dit long. Au moment où Joe Biden signait ce chèque de 96 et quelques milliards destiné au fond à consolider la puissance américaine, à faire en sorte que l'Amérique soit great, pour, pour reprendre l'expression de Donald Trump, et eh bien à ce moment-là, Donald Trump, lui, non seulement il est assis dans un prétoire à Manhattan, mais il est surtout aux prises avec une accusation d'avoir soudoyé une actrice américaine porno avec laquelle il a passé une nuit ou plusieurs. C'est quand même avouer le contraste des images, il en dit très long. Euh, et Joe Biden est en train, personne n'en doute, mais il est en train de prouver que certes, il est vieux. Certes, il est fragile, certes, il fait des gaffes quelquefois hilarantes, mais il est le patron, il dirige l'Amérique, il a su avoir. Je dirais, faire preuve de la patience requise. Il n'a pas cherché à forcer le Congrès. Il a attendu justement qu'il y ait une forme de maturation chez cette partie des républicains. Bref, quand on regarde l'image avec un peu de distance, on se dit que l'image Biden, elle est en train de prendre, je dirais, de l'assurance et que Joe Biden, en vétéran de la politique qu'il est, a su dominer et sortir vainqueur d'une situation ô combien difficile. Nicole Nisoto. Euh... Oui, c'est sans doute une bonne nouvelle pour l'Ukraine, ne serait-ce que pour le moral des troupes, ça, ça compte énormément. C'est une bonne nouvelle pour Biden parce que la diplomatie américaine apparaissait quand même plutôt en échec. Euh, au Moyen-Orient et attentiste vis-à-vis euh, -vis de la Russie, là au moins sur la Russie, euh, l'image de l'Amérique redevient positive, même si, euh, alors qu'au Moyen-Orient, je crois que le, le, la, la diplomatie américaine a beaucoup de mal à, 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 à se sortir de, 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 de ce piège euh, qu'est la nouvelle guerre. Et c'est une bonne nouvelle pour les Européens parce que l'Europe avait peur de se retrouver seule, obligée de porter le fardeau ou la suite du fardeau de l'aide euh, militaire et, et euh, économique à l'Ukraine et donc euh, de nouveau les Européens peuvent se dire on, voilà on va partager le fardeau euh, avec nos alliés euh, américains pour autant la question qu'on peut se poser c'est il y a deux questions me semble-t-il c'est euh, cette aide pour quoi faire est-ce que, alors, François Bujon de l'État disait que ça ne va pas changer la guerre On peut se poser la question, euh, que vont faire les, les Ukrainiens de cette aide, qui est quand même importante, 60 milliards Quand on regarde les chiffres depuis 2022, depuis le début de la guerre, les Américains ont donné 110 milliards, donnés ou prêtés euh, aux Ukrainiens, et les Européens à peu près pareil, on est à 90 milliards. Donc ça fait quand même 200 milliards. Euh, et que vont faire les, les Ukrainiens Il y a deux possibilités, soit ils repartent à une offensive, euh, de façon à, en tout cas sur le terrain, être de nouveau en position de force, soit et c'est pas contradictoire, euh, il, euh, il s'apprête à euh, céder oppression américaine, parce que quand même donner tant d'argent à un allié que vous soutenez renforce la main des États-Unis. Et donc, on peut se poser la deuxième question, c'est quelle est le, la contrepartie de cette aide militaire américaine Moi, je n'exclus pas qu'avant l'échéance présidentielle, l'administration américaine fasse un peu de forcing sur Zelensky en lui disant, voilà, on a beaucoup donné, on vous soutient jusqu'au bout, mais maintenant, il faudrait quand même peut-être essayer d'envisager une sortie de crise. Alors, je ne sais pas comment, mais envisager une sortie de crise en position de force. Donc, on vous donne les 60 milliards, vous faites une offensive, vous essayez de reprendre la main sur le terrain, et ensuite on vous soutiendra dans une négociation. Je ne dis pas que c'est le scénario le plus probable, mais plus l'Amérique donne, plus elle a forcément des raisons de demander à Zelensky un certain nombre de concessions. Et je termine juste en relevant le vocabulaire. Jusqu'à maintenant, les Occidentaux disaient il faut que l'Ukraine gagne, il retrouve ses frontières d'avant 14. Maintenant, le vocabulaire, y compris le vocabulaire d'Emmanuel de, Macron dans son discours du 25 avril, c'est il ne faut pas que la Russie gagne et donc ce qui est quand même très différent. Nicolas Bavrez. La guerre d'Ukraine, c'est la c'est la matrice du 21e siècle comme la première guerre mondiale a été celle du 20e siècle donc c'est vraiment quelque chose qui va structurer l'avenir de de l'Europe et de la liberté au XXIe siècle. Je crois que ce qui a été dit juste, est juste, c'est-à-dire que le, ce qui s'est passé est important, mais ce n'est pas, pas un tournant. En fait, l'Ukraine était un peu de, dans la situation de, de la France en 1917, c'est-à-dire que c'était une année terrible, euh, elle manque d'hommes, elle manque de munitions, les Russes progressent, avec le Gaza et a fortiori maintenant euh, l'Iran. Il y avait un autre front qui a été ouvert et qui, pour, politiquement pour l'Amérique, est un front qui était prioritaire. Et puis il y a l'ombre portée, évidemment, de la possible victoire de, de Donald Trump et d'un arrangement avec le Kremlin qui aurait fait de, avec un nouveau Yalta, qui aurait fait de l'Ukraine un simple enjeu de partage comme elle l'a été entre le Reich hitlérien et, et l'URSS stalinienne. Donc c'était quand même une conjoncture extrêmement difficile alors les, les choses n'ont pas tourné aujourd'hui mais incontestablement euh, il, il, en tout cas il y a la possibilité de, de, de stabiliser le, le front et je crois que en fait on a, sur, on a gagné du temps euh, pour l'instant donc pour les ukrainiens il euh, y a à la fois euh, une aide militaire en, j'allais dire, euh, en, en quantité de munitions, mais aussi surtout en qualité. Parce qu'il euh, y a... ont été livrés des missiles qui vont permettre euh, notamment des frappes en profondeur sur plus de 300 km. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est la grande différence avec l'Europe, c'est que L'Europe, on a un teint d'engagement, mais en réalité, euh, on n'a pas de stock et on n'a pas de capacité de production. Euh, les États-Unis, ils ont deux choses fondamentales ils ont les stocks et ils ont surtout le génie de la logistique. Donc il faut savoir que entre le moment où c'est un peu la différence entre les 800 milliards euh, du plan de relance américain qu'on a dépensé à 2020, on en a dépensé 20 l'IRA, ils ont commencé en août 2022. Ils ont déjà tout dépensé. Et ils sont en train d'en remettre. Et, et pour les armements, c'est la même chose. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les armes partent d'Allemagne et qu'elles vont être euh, et les munitions vont être très rapidement sur le, le front. La deuxième chose, c'est que pour la Russie, euh, qui misait tout sur euh, l'arrivée de, euh, de Trump et qui voulait profiter au maximum de son avantage, ce, cette fenêtre qui Était à leur avantage, va quand même euh, aujourd'hui se, euh, se, se réduire. Et la troisième chose, c'est que, euh, effectivement, le, derrière les 61 milliards de, de l'Ukraine, il y a l'engagement en faveur d'Israël, l'engagement en faveur de, de Taïwan, et donc c'est quand même un acte le, politique pour le coup fort selon lequel euh, les États-Unis ne renoncent pas à leur leadership et ne renoncent pas à euh, leur posture pour l'instant euh, de euh, garant de la sécurité des démocraties dans le monde. Alors, tenir ces trois fronts, c'est vrai que c'est très compliqué et d'un point de vue militaire et d'un point de vue économique. Mais pour l'instant, les États-Unis, en tout cas, ont envoyé ce, ce signal. Pour l'Europe, je pense que c'est quand même une demi-bonne nouvelle parce que, évidemment, ça va soulager le front ukrainien. Les États-Unis sont de retour, donc tout le monde, euh, et notamment le l'Europe euh, du Nord, l'Allemagne, etc. Tout le monde est ravi. Mais il faut bien voir que ce qu'on a surtout euh, démontré, c'est que euh, l'Europe était incapable de euh, soutenir l'Ukraine euh, euh, seule, ni sur le plan économique, ni sur le plan euh, militaire. Donc l'économie de guerre, elle est quand même une réalité en Russie. On en parle en Europe, mais ça ne l'est pas du tout. Et la dernière chose, c'est qu'on a donc pour l'instant acheté du temps, mais je, on a toujours le surplomb de l'élection présidentielle américaine, le surplomb de l'absence de vrai armement de l'Europe et l'absence de sortie politique de cette crise ukrainienne. François Bujon Je voudrais ajouter un codicil pour dire deux choses très rapidement. La première, c'est qu'il faut quand même souligner que c'est un grand succès pour M. Biden et pour le camp démocrate. Mais j'insiste sur Biden personnellement, parce que tout le monde le critique sur ceci ou sur cela, sur son âge. Bon, mais c'est quand même un manœuvrier du Congrès qui est vraiment excellent. Voilà le quatrième texte qu'il arrive à faire voter par une majorité bipartisane au Congrès. Ça a été vrai aussi pour le plan d'investissement dans les infrastructures, ça a été vrai pour ce projet de loi qu'on appelle IRA, et voilà que sur un sujet très contentieux, très, très, très diviseur, euh, il arrive une fois de plus. Donc, il ne fait aucun doute. C'est un succès pour M. Biden et que ça ne peut que l'encourager dans la suite. Ça fait partie de ce, 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 cette amorce de retournement euh, que j'esquissais je tout à l'heure. Et le deuxième point, c'est pour amplifier ce que vient de dire Nicolas. C'est qu'effectivement, une fois de plus, la démonstration vient d'être faite que sans les Américains, décidément, c'est beaucoup plus difficile et qu'on n'y arrive pas forcément. Et surtout que l'aide américaine, c'est quelque chose de précaire, qui n'est jamais acquis, qui est soumis à des aléas politiciens à Washington et, et tout le monde pourrait rappeler au fond ce serait l'occasion de le rappeler bien sûr ils sont intervenus dans la première guerre mondiale et ils ont fait pencher la balance mais ça leur a pris trois ans et bien sûr ils sont intervenus dans la seconde et euh, ça leur a pris également deux ans ils ont fait totalement pencher la balance l'aide américaine n'est jamais acquise elle est toujours précaire il peut toujours y avoir un retournement politique à Washington toujours et par conséquent ceux des Européens, ils ne sont pas nombreux, mais nous nous en avons un à l'Élysée, qui parle de souveraineté européenne, euh, ont raison, car en réalité, ça peut être un peu incantatoire, ça peut être un vœu pieux, mais c'est la seule façon d'échapper au fait que l'ultima ratio, c'est la décision de Washington, du Congrès et du Président. Et peut-être une chose qu'on n'a pas encore soulignée à propos des incertitudes qui pèsent sur la situation en Ukraine, c'est ce qui sortira du Parlement européen. Aux élections prochaines après le 9 juin et l'éventualité qui est éclairée par un certain nombre de sondages qui est une majorité si à droite que la Russie s'en trouve plutôt confortée. C'est partie des éventualités. Et de rien. Donc je voudrais dire un mot avant de vous laisser la parole pour les brèves des projets que nous avons. Donc la semaine prochaine, nous aurons une émission normale, une émission d'analyse de l'actualité. La semaine suivante, nous aurons une émission quasi normale d'analyse d'une partie de l'actualité, c'est-à-dire la question de la guerre, précisément, avec Jean-Dominique Mercher qui vient de, de publier Sommes-nous prêts pour la guerre chez Robert Laffont et ensuite, nous aurons deux émissions thématiques pendant la période, la longue période des ponts. La première émission thématique sur Jean-François Revel, qui aurait eu 100 ans cette année. Et la deuxième émission thématique sur Emmaüs, avec son nouveau responsable. Et puis nous reprendrons ensuite le cours normal de l'analyse de l'actualité. L'heure a maintenant sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Richard Verly, voulez-vous l'ouvrir Bien, je vais revenir sur le sujet européen qui nous a occupé durant toute la première partie de l'émission. Pour saluer le livre que vient de commettre Sylvie Goulard, « L'Europe enfla si bien qu'elle creva », c'est un titre alléchant, provocateur, c'est aux éditions Talendier. La thèse de Sylvie Goulard, qu'elle explique avec force, c'est que l'élargissement dans les conditions actuelles conduirait ni plus ni moins à la mort de l'Union Européenne telle que nous la connaissons. C'est salutaire, ce n'est pas la première fois que Sylvie Goulard se prononce contre un élargissement irraisonné. Elle avait fait partie de ceux qui alertaient sur sur les risques vis-à-vis -vis de la Turquie cette fois le faire sur l'Ukraine je trouve que c'est plus courageux la seule petite remarque qu'on peut faire c'est qu'elle ne va pas toujours au bout de ses arguments. Notamment, elle évite soigneusement de mettre en cause un certain nombre de dirigeants de l'Union européenne, notamment Ursula von der Leyen, qui sur ce terrain s'est beaucoup avancée. Mais sur le plan de la théorie et de l'analyse des forces et faiblesses de l'Union européenne, ça complète tout à fait l'exposé que nous venons de faire. C'est donc « L'Europe enfla, si bien qu'elle creva » de Sylvie Goulard aux éditions Talendier. Nicole Nisotto. Alors moi, je vous recommande... Euh le donjon de Macha Makayev au théâtre de l'Odéon euh, qui se donne jusqu'au 18 mai. Alors, je dois dire que c'est complet, mais Macha Makayev le reprend. Euh, à l'automne à Aix, d'une part, et ensuite, sans doute, à Paris. Donc, euh, euh, surveillez vos agendas. C'est un, une mise en scène, d'abord, que j'ai trouvée extrêmement belle par les couleurs, par la lumière, par la musique. Il y a du Haydn, il y a du Bach. Enfin, tout ça est extrêmement beau, euh, coloré, doux, velouté, etc. Et en même temps très déroutant, parce que dans ce décor du 18 elle place Don Juan au 18e, dans ce décor extrêmement velouté, au sens du velours, il y a un donjon sale. Moche, mal habillé, mal fagoté, euh, dépenaillé, comme aurait dit ma grand-mère. Euh, et et, et c'est tout l'intérêt de cette mise en scène, c'est que euh, c'est un donjon séducteur, minable. En fait, c'est un pauvre type. C'est la version très moderne, très féministe d'un texte qui est un texte éternel, mais Macha ma le, le fait avec une intelligence extrême, une, une sensibilité extrême. On a ce donjon qui est juste. juste Juste victime de lui-même c'est à dire bon voilà il est comme ça il aime toucher les femmes etc et c'est vraiment quelqu'un d'assez minable alors dans sa version euh, rebelle euh de la personne, enfin, culte de l'individualisme, de la liberté, etc. Il le fait sans conviction. Et dans sa version hypocrite, qui est là, quand même, le dernier acte de, euh, de la pièce, il le fait également sans conviction. Euh, et donc, c'est tout à fait euh, euh, dérangeant. Moi, j'avais l'habitude d'un hein, donjon euh, séducteur, certes condamnable, mais magnifique, séduisant d'une certaine façon, euh, euh, superbe, avec une espèce de, de, de panache euh, à la Cyrano. Et là, c'est pas du tout tout ça, et je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire que si je vous comprends bien, le féminisme, ça consiste à glorifier le fait que les femmes se laissent séduire par un pauvre type dépenaillé, pas lavé, Alors, et ne croyant en rien. J'étais nos... sûre que Philippe ne me raterait ah, pas sur ces, cette pas, affaire. Je dis simplement je, que je... le séducteur, qui euh, était la figure traditionnelle de Donjon, c'est-à-dire euh, qui prend les femmes euh, comme des objets sexuels et qui les abandonne aussi vite que consommées, cette séduction-là euh, est euh, minable, tout simplement. Oui, mais est-ce que, a... Enfin, peu importe. Je pense que c'est une erreur de croire que Don Juan prend les femmes comme des objets sexuels. Il les séduit. François Bujon... Non, je voulais juste, en écho à ce que vient de dire Nicole, dire que c'est la conception originelle de Don Juan de Tirso de Molina. Bon. Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, c'était le, le premier à avoir décrit le personnage de Don Juan. Et il est très proche de ce que vous venez de décrire et très, très loin de celui de, de, bon, de, de plus Mozart, plus... par exemple, et de oui. Da Ponte. Nicolas Baverez. Pour reprendre le, 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 le fil de cette émission euh, et, et dans la continuité de ce que disait Richard Verly, je voulais recommander le livre de Thibaut Musergue, Post-populisme. Euh, en fait, euh euh, Muserg pointe que euh, maintenant il y a deux extrêmes droites. Il y a une première vague populiste, c'est celle de Marine Le Pen, celle de l'AFD, et ils vont pas si bien que ça. On voit que l'AFD, pour ceux qui chantent pas des, 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 euh, des chants néonazis en, en, en levant le bras, euh, bah, les autres sont pris en train de récupérer de l'argent russe, et les troisièmes en train de euh, donner des informations aux Chinois. Donc c'est quand même pas très brillant. Et comme souvent, l'Italie est, est un peu un laboratoire politique. Et Georgia Meloni a été beaucoup sous-estimée. Euh, il ne s'agit pas d'en faire l'éloge, mais de voir qu'elle a créé un nouveau un post-populisme avec conservatrice, très conservatrice sur les, les questions sociétales, très dure sur l'immigration, mais libérale sur l'économie et atlantiste et opposée aux empires autoritaires. Et ça, ce qui peut nous intéresser aussi, c'est que c'est assez proche de quelqu'un comme jordan bardella et, et, et donc euh, il me semble que cette, euh, en tout cas cette réflexion sur le post-populisme est intéressante et la deuxième chose que je voulais rappeler euh, plus euh, positive c'est Que puisqu'on parlait des, du centenaire de Revel, c'est aussi le, le tricentenaire de la naissance de, de Kant, et euh, ça nous rappelle quand même que euh, c'est l'homme de la liberté, l'homme de la raison critique, l'homme de la paix perpétuelle. On comprend que euh, ça, enfin, que, que, que son image soit absolument rasée de Königsberg qui est devenu Kaliningrad, que sa tombe a été saccagée par les autorités euh, russes, mais je pense que ce message est extrêmement. Euh, est extrêmement important et mérite d'être entendu. Il y a un très bon euh, numéro spécial de Philosophie Magazine qu'on peut euh, aller regarder si on le souhaite sur ce thème du tricentenaire de la naissance de Kant. François Bujon de l'État. Alors je n'apprendrai rien à personne en disant que nous sommes dans une époque friande de commémoration en tout genre et euh, je vais un peu anticiper. Nous approchons beaucoup du 7 mai qui va être la commémoration de la chute de Dien Bien Phu. Et j'observe un regain d'intérêt pour la guerre d'Indochine dans ces temps troublés euh, et beaucoup de publications. Il y en a une que je voudrais mettre en, en exergue c'est le livre de Pierre Servant, qui est un historien militaire connu et respecté et qui vient de publier euh, à la librairie académique Perrin euh, un livre qui s'intitule Dien Bien Phu Leçon d'une défaite. C'est un livre très clair et très intéressant qui se lit de très, très bien, qui raconte par le menu la bataille telle qu'elle s'est déployée, mais qui... En racontant et en retraçant les épisodes de cette bataille dont la triste fin euh, va retenir notre attention bientôt, il met en exergue un certain nombre de choses qui sont pour nous, je crois, très importantes. C'est le point auquel on peut se tromper et commettre des erreurs stratégiques gravissimes qui apparaissent dans le rétroviseur avec clarté, mais qui ne sont pas du tout évidentes sur le moment. Il est évident que poursuivre la guerre d'Indochine pendant huit ans à 1200 kilomètres de la métropole, alors que la France était épuisée, par la euh, Seconde Guerre mondiale était un, un non-sens complet. Alors qu'on aurait si bien pu, puisqu'on a le droit de rêver, on aurait si bien pu conclure à Fontainebleau euh, un accord de paix avec Ho Chi Minh. On est vraiment passé à côté. Mais absurdité totale dans le choix de ce site de Dien Bien Phu dans une cuvette extraordinairement vulnérable, difficile à ravitailler, alors que nos troupes manquaient d'artillerie et manquaient surtout d'aviation. C'était une absurdité totale. Et euh, je crois qu'il est très utile de revenir en arrière pour voir euh, à quel point l'absurdité peut de temps en temps l'emporter. Je voudrais remercier Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis que Olivier... Ma gloire veille à la plateforme. Je remercie Adrien Beccaria qui a enregistré cette conversation pour le studio L'arrière-boutique et Julien Neville et Nouvelles Écoutes qui produisent Le Nouvel Esprit Public. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour le Bada avec Alexandre Lacroix sur la danse et dimanche prochain pour un nouveau Nouvel Esprit Public.